Ah. J'ai pas la foi. Pour installe le jeu, s'il te plaît. Des monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux, tôt ou tard. Oh, c'est quoi cette vue? Attends, monsieur pousse! Pousse! Je connais pas ces patterns de mort. Sa vie elle est en bas. Putain, mais il a du move, what the fuck? Salope. Ah! Dommage, c'était presque beau. Putain, mais ça me touchait tout le temps là. D'accord, on souche tous les deux à travers les tombes, tout va bien. Alors normalement, si je tire au bon moment, il y a moyen de le stun, je crois. Mais je connais pas ce moment, en fait. Genre là? Pas du tout. Oh! Mais moi aussi je peux tirer là. Ah mais... Ah, Linga! Putain. Oh, il passe en mode vénère. Il a une plus grosse que hache que moi. Mais si je tire, qu'est-ce que tu vas faire? Le problème, c'est qu'il peut me tuer tellement vite. Putain de saloperie! Laisse-moi, l'eau, laisse-moi! Pousse! Pousse! Trop de fierté pour montrer votre véritable visage. Mais c'était de la chasse sportive. J'y ai cru. Ouais. On n'avait pas vu la phase vénère, je crois. Parce que normalement, il y a une espèce de transformation, si je dis pas de bêtises. Après, le problème, c'est que si je commence à cramer mes cocktails Molotov, eux, ils se rechargent pas et je crois qu'il faut les acheter. Donc. Alors, par contre, on va faire le plein de balles quand même. Il faudrait que j'essaie de trouver les bons moments pour. Oulou, oulou, oulou. Je trouve les bons moments pour le tuer. Le pari au gun. Mais oui, mais je sais pas, moi. J'ai réussi à le faire une fois le stun avec le gun, mais je le fais au. Enfin. Je suis pas du tout technique en fait. J'y vais au feeling, moi. I got a feeling.
Et il faut appeler l'ascenseur. Voilà. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de farmer des fioles. J'ai envie d'y retourner vite fait. Ouais, d'accord, pour... c'est hyper drôle ça. C'est hyper drôle. Je suis Amdahar. Juste avant que son attaque te touche. C'est compliqué, ok. Allume-la ta boule là. Le mec allume pas sa boule. Ouais, mais c'est trop tard maintenant. Ok. Ok. Ah, les fioles de sang, on aime. Je sais pas si. Il y a moyen de l'esquiver, je pense, si on court. J'ai pas envie de prendre le risque de prendre des dégâts, mais tu me fais chier, putain. Tu me fais chier. Y'a encore quelqu'un qui parle, hein, c'est ta faute. De quoi? Qui me parle? De quoi tu parles? Stop, on met des torgnoles, toi. Salut. Je veux pas des pièces, je veux des fioles de soins. Merci. Ah, on peut passer comme ça, ok. On se crède, nickel. Ils mettent pas les âmes avant, normalement? Ou c'est dans Dark Souls 3 qu'ils faisaient ça? Je sais plus. Parce que mettre les âmes sur le terrain du boss, c'est un peu chiant, ça. N'est-ce pas? Au secours, il est où? On sort, monsieur. Il fallait faire un R1, je sais pas. Putain. On va rester comme ça longtemps ou... Ah non, il bouge, oh my god. Mais du coup, je peux plus le verrouiller non plus là. Waouh, 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 waouh. Pas de risque, pas de risque. Je sais pas s'il faut maintenir R2, j'en sais rien. Normalement. Tu te calmes, monsieur. D'où t'as déjà sorti ta grosse hache? T'as la map, elle est... elle est pas optimisée non plus pour le fight, hein, pour nous, hein. On va pas se mentir. D'accord, c'est trop tôt ou ça marche pas. Putain, mais tu me fais chier. Faire ça parce que je suis sûr que lui peut me spammer, hein. Il va me tirer, non, c'est bon. Putain, esquive qui passe pas. Nein! Nein! Mais il me bloque! Votre véritable visage. Mais c'était de la chasse sportive. Bon, au début, j'arrive bien à faire le pari, c'est bien. Mais c'est après, what the fuck. Sur la deuxième phase, R1. Mais R1, ça marche, Polo! Je crois qu'il faut rester immobile un petit instant pour. Je sais pas. Il me reste plein de soins, le problème c'est qu'il me... Ah d'accord, j'ai un point de lucidité, ok. C'est qu'il m'enchaîne comme un fils de...
restons polis. T'as pas vu la troisième phase? Bah ouais, mais j'ai la boîte à musique. Mais d'accord, on se calme. La fiole de sang, je suis preneur. Faut que je réactive aussi l'ascenseur. De sortir normalement. Bonne nuit Kiwa. Ciao ciao, à la prochaine. C'est bon, ouais, c'est bon, c'est reparti. Par contre j'espère que je vais pas en avoir besoin pour me cacher. Youhou. Fireball SVP, maintenant. Y'a toujours un vieux clampin, il me met le feu, mais t'es sérieux gars? Vraiment ma vie. Oup! Je t'avais pas vu. On va passer. On esquive. Y'a moyen d'esquiver, je pense. Allez, salut! Mais d'où il me faut si mal avec son gun, ce fils de lâche. Putain. Ah voilà. Ok, c'est pas mal. Mais sur la première phase, ça va, hein. C'est après, hein. Il enchaîne, putain. Ça marche pas, j'ai pas le timing du tout. C'est un peu chaud des fois. Ah, je m'attends à un deuxième coup instant. Mais non. Tu te calmes, monsieur. C'est pas très gentil ça. Oh putain. Ça a marché la boîte? Oui. Je crois que ça marche un coup, hein. Putain. Saloperie. Lâche-moi l'eau! Au secours! Quelle salope! La caméra, j'arrive pas à le lock. Ok. Trop tard. Putain! Bitch! Easy.
First try sur 20. Ouais. I did it. La pression des boss. On va se rentrer. On va se rentrer. Je crois que j'ai réussi à le mettre à genoux quand il était à quatre pattes là, mais j'ai été trop long. Mais c'est passé quand même. Cimer Albert. Plus que deux boss avant d'atteindre le DLC. Oh putain. J'ai 5 points de lucidité. Et madame, t'es où, madame? Madame. Mais tu sais que pour du coup, j'ai pas envie de jouer à Dragon Quest ou à Xenoblade Chronicles 2. Hein. J'ai envie de tryhard Bloodborne. Loul. Tryhard. Merci Vemila. Bienvenue. Welcome. Merci bien pour le flow. Ah, elle est là. Ok. Moi j'ai pris l'édition à 200. Je crois qu'elle est à 250. Si vous parlez encore de Kingdom Hearts 3. Avec les 3 statuettes. Non, vous parlez d'autre chose. J'ai pas suivi. Ah si, c'est ça. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est en route pour le DLC. On n'y est pas encore. Mais pour on m'avait dit que c'était après le père Gascoigne. En fait, je pensais que c'était beaucoup plus tôt le DLC. Très bien. Laissez-moi approcher. Mais finalement, non. Et ouais, pour l'instant, prendre de la compétence, ça fait plus d'effet que prendre de la force. Hein. On va partir comme ça. Adieu, brave chasseuse. Adieu, je t'aimais. Bah oui, pour Romain dû en erreur. Bouh, bouh, pour... Je sais pas combien de temps il me faudrait en fait pour l'atteindre là. Je pense qu'il faudra encore deux lives complets. Hein. Encore si je galère un peu moins parce que là c'était laborieux. Après je vais peut-être faire quelques pas encore histoire de découvrir un peu la zone. Mais je vais pas aller très très loin. Hein. Parce qu'après un boss on est un petit peu fatigué quand même. Et puis ça fait déjà 2 heures. Mais bon, je suis content de jouer à Bloodborne. C'est bien. Mais JL, genre, je sais pas, Dragon Quest, c'est... Voilà, c'est un RPG. Donc c'est sympa les RPG, mais à streamer, c'est différent, quoi. Après, si, bah, le jeu est joli, voilà, il y a des belles choses à voir, j'imagine, mais... du coup, il n'y a rien en bas. Tu sais, j'ai peur qu'en alternant, en fait... Tu prends l'exemple de Goulouli, là, par exemple, qui est venu pour du Bloodborne. Si je fais un coup du Bloodborne, un coup du Dragon Quest, tu vois, ça fait un mix chelou. Et du coup, j'ai peur que personne n'accroche au final, tu vois ce que je veux dire. Alors que si je fais du Bloodborne pendant 2 semaines, voilà, il va être potentiellement présent pendant 2 semaines, tu vois ce que je veux dire. Alors que si je commence déjà à alterner différents jeux, il va peut-être jamais revenir. Est-ce que tu comprends ma question, Gilles ? Après, je sais pas comment ça marche. Hein. Rachid ? Champion du monde sur Street 5. Et Villerio disponible depuis aujourd'hui. Ouais. Juste en vidéo, Dragon Quest. Bah si... Non, je le ferai pas juste en vidéo. Ce sera soit en live, soit de mon côté, mais ce sera pas en vidéo. Yeah. Il est sympa, Dragon Quest 11. Mais je me suis arrêté, je sais plus trop... On venait de récupérer le mec du cirque. Et j'étais dans la ville où il y a les, genre les canaux là. Qui ressemblent un petit peu. Enfin, Venise, c'est un bien grand mot, mais. C'était un peu d'eau dans la ville. Je me suis arrêté là. Je suis pas allé très très loin.
Non, mais c'était pour l'exemple. Après, j'ai bien vu que c'était un fan de RPG, j'ai vu qu'il parlait de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, je sais jamais comment le prononcer d'ailleurs. Et encore. Dragon Quest, ça n'a pas grand-chose à voir avec Kingdom Hearts. Après, je verrai, je vais peut-être faire un jour sur deux. De toute façon, demain soir, je suis pas là. Ça, c'est sûr. Je serai pas loin de chez Poro. Je serai pas chez Poro. Un coffre. Oh, ouais, d'accord. Qu'est-ce que. Le mec a peur d'un coffre. Tu peux même pas interagir avec. Si, ouvrir le coffre. Y a pas de mimique, ok. Ah! Très bien, ça c'est pour la base, enfin la base, le rêve du chasseur. Bah, Dragon Quest 8, c'est le seul que j'avais fait. J'avais bien aimé l'Odyssée du Roi Maudit, c'était sympa. Et j'avais cette impression de voyager vraiment. J'avais kiffé à l'époque. Je me rappelle même de Jessica, Raphaël, le mec qui faisait de l'escrime, je sais plus. Je ne sais pas. Enfin, c'est le seul que j'ai fait. S'il s'appelle pas Raphaël, c'est pas loin. Tu te calmes, Gilles. Y a pas de Raphaël. Le mec aux cheveux blancs, là, qui a une rapière, habillé en rouge. Poro, c'est pas là qu'on peut accueillir les gens? Moi, oh, je sais plus. Angelo, c'est pareil. Angelo, Raphaël, je ne vois pas la différence. Hein. J'étais pas loin. Ah bah du coup on a déjà une lampe, super. Alors, c'est pas toi le fait que... Je sais plus, il y a une connerie avec un mec qui fait semblant de nous aider, mais qui tue les gens. Vous devez être une chasseuse. Désolé. L'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes, la puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yharnam est perdu. Croyez-moi. Mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odon. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Si ça ne vous embête pas. Alors, il y en avait un que je pouvais aider plus tôt dans le jeu, mais alors. Wow, on va retrouver la maison. Pff,